Ok, ça devrait être bon. Tac. Ok, ça devrait être bon. C'est pas le bon micro. C'est le bon micro, mais il est loin. Alors, je galère un peu parce que je me prépare. Il devrait y avoir une coupure de courant à un moment aux locaux. Et je pourrais que je reprenne directement le stream depuis chez moi. Donc, c'est pour ça que je galère un petit peu. Et je pourrais que je reprenne direct. Ok, ça marche. Mes BPM sont présents. On va pouvoir pédaler. Hop. Ça va là. On va mettre des musiques un peu épiques. Ok. Ok, on est bon. Merci tout Drake. Plus un. Allez, on va jouer sur du Battleground. Deux petites heures de Battleground où à chaque combat gagné, j'augmente la résistance ou je la diminue. Là, pour l'instant, elle est à 1. Et si vous souhaitez vous abonner pour me faire pédaler plus difficilement ou moins difficilement, vous précisez plus 1 ou moins 1. Et ça enchaîne. Allez, c'est parti! Le capteur a l'air de fonctionner. Ça, c'est bon. Je peux monter, diminuer. Attendez, je monte. Je diminue. Ok, on va mettre à 3 pour commencer en vrai. Ça va. Okay, tout a l'air de bien fonctionner. Ben voilà, j'espère que vous allez bien. Et donc on est parti pour 2 heures de stream à vélo. On se motive. Et en espérant. Je vais grid un petit peu, hein, donc je devrais galérer. Et j'ai acheté les nouveaux skins avec les fleurs là. Après BFM Tars, on a BPM Tars, c'est ça. Allez, c'est parti. Deux heures de vélo, quelle machine. Après, ça dépend à quelle vitesse je pédale. 2 heures, c'est tranquille en résistance 3, ça va. Galwix, j'aime bien, il y a des bêtes. Krag, d'habitude, il peut avoir plus d'armure, je crois. Enfin, je vais prendre Galiwix. C'est quoi la résistance max? C'est 15. Après, dans le vélo, la résistance max qu'ils mettent, c'est 10 dans les programmes. Ils mettent jamais au-dessus. Mais tu peux monter à 15. T'as vraiment laissé la faute de conjugaison dans le titre. S'il y a un modo qui peut changer ça, please. J'avoue que là, moi, c'est galère à atteindre le clavier. Ah, des bêtes. Parfait. Je compte chaque, il y a moyen que je gagne. Évidemment, on va pas faire de. Parce qu'il y a moyen d'exploiter un petit peu le système et de faire que des curves super safe et ensuite on meurt en deux combats à la fin. On va pas faire ça. Hein. On va grid. Attendez, juste essayer de placer ça un peu mieux histoire que ça soit sur le côté. Le problème, c'est si j'arrive à au-dessus de 10, j'ai peur que.
Ok. Putain, c'est loose, j'ai perdu le combat, non. Fuck. Oh non, j'ai encore perdu. Résistance 5. Ça commence mal ce stream. Après là, j'ai la petite musique épique Xenoblade. Épique en intense Xenoblade musique. Ça va être sympa ça. Moi aussi, je revends, j'achète deux. Je vais revendre plutôt lui parce que je veux qu'il retourne dans le pool. Ça me fait des golds. Et je vais acheter double gardien. Ça me paraît meilleur que le rejeton. Par contre, j'ai bien envie de geler le rejeton parce que c'est quand même une bonne carte. Une fois qu'on a pas mal de serviteurs. D'un autre côté... Alors, si vous entendez du bruit dehors, c'est que j'ai laissé la fenêtre ouverte, sinon je vais mourir de chaud. D'un autre côté, rejeton, si je le mets devant, ça veut dire que eux, ils vont vraiment tarder à attaquer, donc j'ai pas freeze. Et donc, dernier petit truc à préciser. Il y a potentiellement une coupure de courant qui va arriver aux locaux. Donc en fait, il faudra que je reprenne le stream directement depuis chez moi. Actuellement, on a un système où, pour pas avoir de cut, tout passe par un stream en continu aux locaux. Donc à un moment, bah ça va s'arrêter, bah vous attendez 5 minutes et je reprends. Oh non, j'ai encore perdu! Oh, c'est quoi ce stream de l'enfer? Oh, ça commence à être dur. J'aime bien l'idée d'avoir un taunt. J'aime bien l'idée d'avoir un rat d'égout comme ça. J'ai deux taunts. Et eux, ils ont largement le temps d'attaquer avant de se faire attaquer. Parfait. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai un roll, j'ai oublié. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Ah, il est taverne 3, il est taverne 3. C'est bon, je vais le défoncer. Tranquille. On va pouvoir baisser la résistance un petit peu parce que là, ça commence déjà dur, hein. Oh, merde, on tire pas 2 heures comme ça. Merci Arziland. Oh là là, qui s'abonne avec Prime. Merci beaucoup à toi pour ton soutien avec Prime et pour avoir annoncé une diminution de la résistance de 1. Ok, je souffle un peu, je suis pas mort tout de suite. Oh, les viewers bienveillants. Team bienveillance. J'espère que j'ai quoi t'hydrater. Excellente suggestion. Buvez de l'eau. J'ai bien envie de level up. Et de jouer ça. Est-ce que j'ai gagné? Ah, j'ai gagné, moins 1. C'est gros stat, gros body. Moi, vouloir gros stat. Oh, merci à Boxster aussi qui m'a moins 1. Ok, on souffle un petit peu. Faut que je tienne 2 heures quand même. Offrez 10 subs et faites plus 10. Oh, la team malveillance est là. Il va falloir payer, les gars, si vous voulez être malveillant. J'ai pas envoyé mon message pour l'abonnement ce mois-ci. Ça ne met plus 1. T'as pas envoyé? Non, 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 non. Offre un abonnement. T'avais déjà enlevé une résistance contre Yogg? Oui, mais j'ai enlevé pour l'abonnement en plus. Ah, ou j'ai enlevé 2 fois pour Yogg. Vas-y, je vous fais confiance, je vous fais confiance. Pas de problème, je remets à 4. Je fais confiance. Je te kiffe, Tars, mais j'aime bien te voir souffrir plus 1 cœur. Allez, 5. Ouais, faudrait que je mette le tracker, d'ailleurs. Je peux faire ça, attendez. Histoire qu'on puisse se plaindre si on se fait scam. Putain, je transpire déjà, il fait tellement chaud. Non, c'était bon, il t'arnaque. Bon, bah...
Et ben voilà, ça commence avec le plus 1 de Cincella. Oh non, encore plus 1! Ah, let's go. Mais la musique, elle me met trop en forme, là. Je suis inarrêtable. Ah, j'ai envie d'encore le... Oh non, mais il y a les chats. Ok, je revends le chat, j'achète le chat. Je revends le chat, je... Hop. Mais je fais toujours ça. Ah, c'est bien ça, c'est bien. J'ai fait des achats à revendre pour avoir plus de gold au prochain tour. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Alors, oh, le train de la hype, non. Le vélo de la hype. Merci à Noctilia qui a offert un abonnement. Moins un Tars parce que je suis sympa. Ah, merci à toi. Et Amino Asile, moins un aussi. C'est bon, ça ralentit. Le tracker. Je le rajoute. Ok, nickel. Je fais le crop là-haut, juste. Ok. Ok, on est bon. Bon, maintenant, il faut arriver à un stade où le fait d'avoir, de faire du sport et de dépenser d'énergie là-dedans, ça influe pas trop ma prise de décision. Ok, bon, bah, c'est un plus un, là. Hein. Allez, hop. Ah, je sais pas si j'ai envie d'avoir le tracker. T'aurais dû le mettre en short. Mais non, mais j'ai un super pantalon Solari. Grâce à ce pantalon... Je n'ai pas chaud, mais je n'ai pas froid non plus. SLY.gg pour le retrouver sur le shop. Ok, ça, c'est ok, ça. Après, un petit level up. Allez, un petit level up, c'est la grid. Est-ce que je prends ça pour le mettre là-dessus? J'ai 3 naga, plus 3, ça me plaît, vas-y. Ça me plaît, il a beaucoup de PV, il a besoin d'un petit boost d'attaque. Et du coup, on va mettre... On va remettre les tonnes là-dessus. Ça fait longtemps que tu pédales comme ça. Je viens de commencer. Et j'en chie. On a commencé au début de la game. Ah, j'ai déjà la petite goutte de sueur, là. Là, il y a la petite goutte de sueur qui tombe déjà. Oh là là, c'est que le début. Putain, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vélo, je le ressens. Merci Méniel qui a offert 2 abonnements, un petit moins 2. Merci beaucoup. Merci à la team Bienveillance. Ah. Oh, j'avais le tour parfait, mais j'avais pas pensé. Va falloir ouvrir la fenêtre, elle est ouverte. En fait, si vous entendez un peu de bruit dehors, c'est des camions qui passent pour ramasser les feuilles. Team Malveillance, réveillez-vous! Allez, courage! T'étais parti avec OD récemment. Ouais, le week-end dernier, on allait jusqu'à Villandry à vélo. Donc en vrai, c'est 1 heure de vélo selon Google Maps. Plus 1h20, quoi, quand on pédale tranquille. Et c'était sympa. Mais c'était du vrai vélo. Et le vrai vélo, il y a des moments où tu pédales pas, t'es un peu en descente et tout. Merci le Mux qui a offert un abonnement. Oh, le train de hype est complété. Plus un monsieur, très bien. On va plus 2 parce que la Tess, elle nous a mis cher. Attendez, j'ai 4 PV. J'ai 4 points de vie. Ça va pas du tout. Ok, ça peut m'aider à survivre. Ça, c'est peut-être pas si mal avec le double truc là, mais je pense... Leroy, je pense pas avoir besoin aussitôt dans la game. Ah, j'aurais bien aimé un triple là. Ah, ça va être chaud. Oh, attendez, on va booster ça. Ah, j'aurais dû mettre le taunt là-dessus. En vrai, je peux acheter ça.
Faut que j'en revende un truc pour acheter la théière. J'en revends ma paire. Vas-y, j'en revends ma paire. Et le rat, faut que je mette le plus loin possible. Quelque chose comme ça. Moins un, vu que j'ai oublié le message. D'accord, merci. Ah, j'ai tellement la musique à fond, là. Ça me fait pédaler trop vite. Par contre, ça sent la défaite, hein. Mais pourquoi je joue Galewix alors qu'il n'y a pas d'élémentaire? Ok, on est devant, on est devant, on est devant. C'est bon, moins un. On est bon. Oh, il est énorme ce rat, t'es mal à la taille du rat. J'ai diminué ou pas déjà? Ouais. Hein. J'aurais tendance à prendre la matrone, mais... C'est catastrophe. Ah, vas-y. En vrai, il faut que je vende ça. Ok. Ok, je pense qu'on est pas trop mal. On génère des cris de guerre. Enfin, là, j'ai fait un tour quand même correct niveau tempo. On génère des cartes pour les revendre ensuite pour se remettre bien. On est clairement pas... On est clairement pas dans une situation où on va gagner la partie. On n'a pas de naga, on n'a rien. Mais... On a du board. Merci, Aurenio. Moins un, me dit-il. Je prends avec plaisir cette offrande. Oh. La naga pièce était bien. Je crois qu'elle fait rien, la naga pièce, avec Galewix. C'est-à-dire, t'achètes et tu revends. Mais du coup, tu payes 3 et tu récupères 3 gold. Genre, ça peut t'aider à fixer un tour si tu vas finir avec, avec un gold. Tu peux un peu te rattraper comme ça et transférer ton gold sur le tour suivant. Mais c'est pas comme les chats ou les élémentaires où il faut à tout prix acheter et revendre pour gagner une pièce d'or. On est pas mal là, je trouve. Hein. Attendez, j'étais à 91%, quoi le scam ? Je suis abattu ! Bah, franchement. Résistance plus 1 parce que le combat est perdu. Et résistance plus 1 parce que la partie est perdue. Ou résistance plus 2 même parce que la partie est perdue. Allez, on repart à 5. Putain, on se fait scam. J'en peux plus. Je joue parfaitement sans aucune erreur. J'ai juste raté un plus 1, je crois. En vrai, non, attends. Ouais, non, si, on va laisser comme ça. Je me fais scam à dire que, comme j'ai... Oui, si. Comme j'ai pas fait top 4, j'ai diminué de 2. Ça me paraît bien. Oh, attendez, on peut faire ça. Si je fais 4 ou 5, je laisse pareil. Et genre, si je fais 6, j'augmente de 1. Si je fais 7, j'augmente de 2. Si je fais 8, j'augmente de 3. Et réciproquement, si je fais 3, 2 ou 1, je diminue. On va faire ça comme ça. Du coup, j'ai fait combien? Là, j'ai augmenté 2 alors que j'ai fait 6ème. C'est parfait. Non, 6ème, j'augmente de 1. Ok. Tu vas finir en sueur à la fin de ce stream. Complètement.
Donc ouais, on fait ça. Putain, la musique est tellement bourrine. Parfait pour pédaler. Donc si je fais 6ème, j'augmente de 1, 7ème, j'augmente de 2, 8ème, j'augmente de 3. Après, je pourrais avoir un joker, parce que c'est un scam quand même que je me suis pris. Genre en vrai, on pourrait annuler au-dessus de 95%, non? Vous en pensez quoi? Ça serait fair. Oh, il y a du Uran, je vais prendre George. Ah, ça transpire, hein. Par contre, j'ai une bonne allure, là, c'est cool. Je pédale assez vite. Je vais level up tranquille. On aime bien te voir te faire du mal, donc non. Non, justement, c'est plus 2 si tu te fais scan, mais c'est complètement injuste. C'est enterrer quelqu'un qui est déjà au fond du trou. C'est genre le recourir encore plus. Est-ce que tu arrives à jouer de la trompette en pédalant? Bien sûr. Des années d'expérience. Ah, j'adore ce concept. Enfin, je dis ça parce que ça fait un quart d'heure que je pédale, mais... Pour l'instant, on est à 20 minutes de pédalage et... 6,6 km parcourus. Ainsi que 125 kilocalories dépensées. Ça veut dire que j'ai perdu combien de kilos là? Si tu te fais scam, c'est que t'as mal joué. J'avoue, ça doit être le destin. Le karma. J'ai perdu une pomme. J'ai pas regardé le premier combat, il s'est passé quoi? Premier combat, match nul, deuxième combat perdu, donc on passe à 5. Ouah, c'est fort ça! En plus, j'ai direct la pièce pour en profiter. Et on va acheter ça. Je sais pas si c'était une bonne idée d'acheter ça. Peut-être ne pas faire la pièce et faire un bouclier divin, c'était bien. Merci, Talman! Non, Taimant, Talman! Allemande, hello, moins 1 me dit-on dans l'oreillette, parfait. En fait, vous savez, là je suis en mode cool, c'est dynamique, il y a la musique qui me motive. Mais la dernière fois que j'avais fait un stream comme ça, j'avais mis des musiques épiques, mais de WoW. Et les musiques de WoW, elles sont tout aussi épiques que celles-ci, mais elles sont plus lentes. C'est genre plus épique, orchestre, grandiose, tout ça. Là, c'est tellement fou de bourrin, je pédale trop vite. Parce qu'évidemment, je pédale en rythme avec la musique, c'est naturel. Putain, encore une défaite. On va level up et faire un bouclier divin. Je sais pas si c'est bien, mais en termes de coût en mana, ça me paraissait correct. Pour l'instant, Tars aurait perdu plus de poids en se rasant qu'en pédalant, j'avoue. 5000 kilocal... Non, 5 kilocalories, c'est 0,7 grammes. Attends, mais j'ai fait 139. Donc j'ai perdu... Ah, 0,7 grammes, pas 0,7 kilogrammes.
Ah ouais, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Il est où le nouveau maillot Solari rouge? Je l'ai pas. J'irai le demander. Le maillot Bordeaux. J'avoue, il est dans le shop. Il est dans le shop, le maillot Justin Bridoux. Je fais un contrôle des BPM sur le vélo. Il a un capteur aussi. Voir ce qu'il dit. Oh là là. Le vélo, il me dit... Il dit 121, mais ça monte encore. 125. 123. Ok, le vélo, il dit genre je suis à 125. 130. 132. Enfin, le vélo, il dit que je suis en train de mourir. Ok, ça, c'est des golds, j'aime bien. Il y a le plan level up, mais ça me paraît greedy. J'ai perdu le combat, j'imagine. J'ai perdu le combat. Pour level up, on va pas abuser, hein. Ok, main verte, c'est peut-être une option sympa. Non, j'ai deux pirates, je vais prendre lui. C'est dommage que j'ai pas de sort pour ce truc-là. J'avais pas envie d'acheter les bronze coins exprès. Normalement, ton bracelet est plus précis, peut-être. Je sais pas. Parce que le bracelet, t'as plus vite fait de mal le mettre. Je sais pas. Mais bon, je suis dans les 130, quoi. Bah si, ça y est, j'ai l'impression que le bracelet est un peu en retard, en fait. Putain, je pédale tellement vite, what the fuck, la musique. Je sais pas si je vais tenir 2 heures. Oh, attendez, il y a des petits lacs, faut que je fasse un... J'ai activé le ventilateur anti-lag. Ah, je me suis fait mal en remontant sur le vélo. Ah, merde. Ah, ça pique. Ah. Oh, ça pique. C'est bon, ça va mieux. Putain, c'est dur. C'est vraiment dur. Mettre ça bien. Je suis un héros. Mais je sens que je vais encore perdre. Mais non, mais Varden, c'est naze. Je vais pas perdre contre Varden. Ah. Oh non, non, non. Non. Pas perdu encore. On peut. Il y en a 14%. Ça peut le faire. Ok, ça ne fait pas du tout. Putain, 8. Ah. Ok. Oh, que des cartes nazes. Ce Urana, il est ok, mais... Ça me fera pas gagner. Ok, ça c'est bien. Ça c'est exactement ce qu'il me fallait. Pièce... Pouvoir héroïque là-dessus. Et une petite tasse.
Ok. On va laisser comme ça. Comme ça. Ça devient dur. On y arrive, on y arrive. C'était possible. Ah putain, on perd encore. Il me faut absolument le Uran qui booste l'attaque là pour gagner les prochains combats. Ok, c'était pas mal ça. Attendez, attendez, le scam. Putain, pas du tout. Ashtars, moins 1 pour te permettre de survivre, merci beaucoup. Merci Norway. Ah, j'ai de la sueur dans l'œil. Ça pique. Est-ce que je veux une paire? Vas-y. Ah, pas ça par contre. Ça, c'est peut-être ok. Ok, je cherche toujours le Uran 2-6 pour booster mon attaque. J'ai l'impression que je stabilise un petit peu. Le problème, c'est que je rencontre Maiev. Et Maiev, potentiellement. Il y a genre des tavernes 6 et des nagas. J'ai même pas envie de regarder si elle a triplé ou pas. J'ai trop peur. Il faut investir dans un bandeau pour éviter la sueur dans les yeux. Putain, je crois que j'en avais un. Ok, je gagne, je gagne, je gagne. Oh putain, oh, ça fait du bien. Ah, j'aurais dû placer mon pirate un peu plus devant. Ok, c'est gagné. Oh, ça fait du bien. Nice. Oh putain, c'était juste. Oh, le triple! Est-ce que je dois up? Attendez, je peux level up. Hein. Pour aller chercher un 6. Il y a peut-être le... Ah, oh, il met des moins 11. Non, non, non. Je up pas. HM sera très bien. Putain, pas de HM. Pirate Naga Uran. On va voir le Murloc et on cherche à lui donner Toxi. Vas-y, go Murloc. Pirate, Uran, Naga. Ouais, c'est bon, il y a les trois ici. Ok. Ça va. Comme ça me paraît bien. Être comme ça plutôt. Ok,
Non, comme ça. Non! Oh non, le top 8! Oh, il a eu double Atissa, non! Allez, 10%, 10%! Non! Oh putain! Ok, plus 1 pour le combat perdu. Top 7! Ah non, top 8! Putain, je... Oh non! Oh non, top 8! Top 8, c'est plus 3! On est à 11! Oh putain. Oh merde. Ça transpire, putain. L'idée des plus 1, 2, 3 devient une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, mais... Disons que j'ai du mal à l'assumer. Faudrait que je gagne en fait. En danseuse, je peux pas à cause de la petite tablette que j'ai mis devant. Sinon je fais beaucoup de danseuses quand je suis à vélo. Généralement. C'est OP. Bon, dépêche-toi de trouver une game, là. S'il te plaît, ça fait une minute d'attente. Allez, encore une heure. Oh, que des héros de merde. Pas de méca, pas de bête pour Grisbranche, c'est naze. Crac peut-être. Oh non, terrible ce choix de héros. Oh là 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 là. Même c'est crac, on perd. C'est peut-être Tamsin pour pas perdre trop de combats. Je pense que c'est Tamsin, sinon je vais mourir. Là je vais la jouer stratégique. Reste en vie, Tars-1, merci beaucoup. On repasse à 10. J'ajoute stratégique avec Tamsin qui est du lâcher, mais qui au moins devrait pas perdre trop ses premiers combats. Moins 1, merci, erreur 402. Tu m'as fait peur à me faire croire que tu mettais plus 1. Ok. Oh, je vais perdre les deux premiers combats avec ça. Oh. Oh, le match nul inespéré. Incroyable. J'ai fait match nul avec une 1-2. Attendez, j'ai peut-être un plan là. Ah, j'ai aucune race. C'est bon, on est sauvé. On a un héros. Vas-y, mon champion. Tu es un mini Myrmidon, mais ton cœur est grand. Sauve-moi la vie. Allez, allez, allez. Pas de clic sur le HP. Ah non, 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 non.
Ah. Allez, ça dégage. Moins un. Allez. I can do it. Maxi Myrmidon. La 7-7. Ok, j'achète ça. Je le revends. J'achète lui pour avoir une paire. Détruit votre vos serviteurs au PV les plus bas. Donne ses caractéristiques à 4 autres serviteurs alliés. Bah, c'est lui. On va faire ça. Plus 6, plus 2 à tout le monde. C'est trop fort, Tamsin, en fait. Pourquoi personne n'a jamais joué ça? C'est OP. Faut juste jouer tempo. Wow. La synergie avec les nagas est incroyable. Oh là là. Putain, ça devient vraiment chaud là. Allez, combat gagné, on diminue tout de suite, on perd pas de temps. C'est du 100%, on en profite. Oh, le triple. Est-ce que je dois tripler? Ouais, mais pas tout de suite, je pense. Je pense que je vais acheter ça et ça. Et je l'ai le triple. Du coup, c'est lui qui a les PV les plus bas. On lui donne les boosts. On fait le pouvoir héroïque qui va booster l'attaque de tout le monde. On va mettre les petits 1 au bout. C'est parfait. C'est parfait. Tour d'après, double level up en achetant l'élément plus. On continue de jeûner mini Myrmidon. Ça va le faire. Parfait. Mais j'avais pas pensé. Merci Fumi13 qui a offert 2 abonnements. Je te laisse le choix. Est-ce que je dois monter la résistance ou la diminuer? C'est toi qui choisis. Est-ce que tu es dans la team bienveillance ou la team malveillance? It's a good guy. It means I'm a good guy. Really? Oh, faut que je boive, putain. J'en chie tellement plus que la dernière fois. Moins 2 pour que tu respires, merci beaucoup. Ah, oh, on redescend. Putain, je suis à 160 BPM! What the fuck? Ah. Oh. Ou la team, tu restes comme ça. Vous pouvez vous abonner par pure bienveillance également et ne rien changer, tout à fait. Vous payez, vous faites ce que vous voulez, hein. Le client est roi. Oh, les moins 1, let's go. Oh. Ok, double level up. Et on gèle. Toujours pareil, on booste à fond lui. Et pouvoir héroïque, merci à Karatan qui s'abonne avec son Prime. Attendez, what, 182? C'est grave là, non? Oh merde. Il dit quoi le vélo? Ah, le vélo il dit 120, 125. Ouais, le vélo, il dit 120.
Oh. Ouais, 123. 123, 127. C'est bon. C'est bon, ça se remet bien. Oh merde, je meurs. 60. What? Les gars, qu'est-ce qui se passe? 60 BPM. Il y a un problème là, il capte plus. J'ai gagné? Ah, j'ai perdu. Ah, tout est naze. Ah ouais, non, il est fou là. J'essaie de le placer un peu ailleurs, mais. Tout à l'heure, il allait bien, hein. Mais là, je sais pas. Bientôt vers 9000. Je sais pas si j'ai augmenté ma résistance après ma défaite. Ouais, en manque un plus un, effectivement. Je vais pas l'enlever. Bah, je sais pas, c'est bizarre. J'essaie de le déplacer jusqu'à ce que ça corresponde à ce qui est indiqué sur le vélo. C'est ok sans être incroyable. C'est ok ça. Et je prends genre ça. Et je le booste, il gagne deux fois des stats, ça fait plus 8 ici. Ah, c'est lui qui va crever. Peut-être ça en fait.
Ça, on cherche un élémentaire. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être Mithrax, c'était ok. Oh putain, ils ont tous attis ça. Moi si, je l'ai jamais. Putain, j'ai des héros de merde et des triples de merde. Allez, plus un. Oh, Nomi tour 9, c'est beaucoup trop tard. Petit Argus, pourquoi pas. En vrai, bras de l'Empire, why not. Comme j'ai Argus. Avec ça, ça peut être cool. C'est ça qu'il faut donner taunt. Peut-être c'est tripler ça plus tard. Et je fais genre ça, ça, ça. Et je booste là-dessus pour booster ça. Les taunt le plus loin possible pour qu'il se fasse attaquer. Et lui va mourir, ok. Ok, j'aime bien ça. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec amalgame et ça? Je crois pas. Hein. Et on a 17 km parcourus. Oh non, ça perd encore. Oh non, un PV près. Je vous cache pas que j'aurais préféré être éliminé tout de suite là. J'ai même pas de gem pour ça, on va essayer de jouer full tempo. Ok, un triple. J'ai quand même roll pour un Bran. Faire la différence, ça peut être bien avec ça. Ouais, vas-y, je vais le poser tout de suite. Oh, ça c'est parfait. Et un démon, et c'est good. On donnait un triple aussi à aller chercher. Corps de la merde. Oh non, 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 c'est lui qui va se sacrifier. Oh, j'ai rien compris à ce jeu. Pourquoi j'ai fait mon pouvoir?
Ok, 29%, 30%, 60%. Ok, ok, 60% de gagner, de pas perdre ce combat. C'est moins un scam que la dernière fois, mais... Allez. On est reparti. Ah. Ouh, allez, donnez-moi un bon héros au moins une fois. J'ai eu que de la merde. Ah, oh, c'est trop dur à 11, putain. Ouah, wow, moins 5. Oh, le sauveur. Oh, merci, Méniel. Quoi, oh, merci beaucoup pour ton abonnement. Pour tes abonnements offerts et pour ton soutien physique. Putain, c'était ça l'erreur. Aïe aïe aïe. Roi Lich, c'est ok. Siraride, y a pas de Murloc. Caramba, soy Ganondorf. La terreur de Hyrule. Roi Lich, y a pas de bête. Oh, j'avais le tour parfait, mais j'avais pas pensé. Merci à Juna, moins 1. Super. Sors quoi avec mes cas? J'avoue, peut-être sors cro, c'était ok. Merci, Géré. J3 RRF3. Pas réfléchir non plus, hein. Habile de faire exprès d'être nul pour avoir des subs de soutien. Mais j'ai pas trop mal joué là, enfin. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir joué en dessous de mon niveau, j'ai juste l'impression que. Ça s'est très mal passé. Après, peut-être que je me rends pas compte parce que je suis claqué, je dois faire quelques erreurs en plus, mais. J'ai pas l'impression que ce soit si flagrant. Genre, j'ai pas fait les tours où j'étais complètement perdu et tout. Je pense que je freeze ici. J'achète, je revends, j'achète. C'est pas trop mal. Ou alors il y aura peut-être un taverne 2 qui sera meilleur, je sais pas. Donne tout pour moi, mais si tu en fous, big up. Bon, ça marche, ma cash Billy. Nice, c'est gagné. On passe à 4. Elle est stressante la musique, le calme avant la tempête.
Ok, encore 45 minutes de stream. Oh non. Ça c'est trop bien. La musique quand t'infiltres les mécons. Ah oui, c'est ça. Ah, oh, c'est la meilleure musique. Ah, oh, je suis trop motivé. C'est la vraie musique des combats, ça. Ah, je suis trop chaud. On pédale à fond. On repasse à 4. T'as combien de codes? 7700. J'ai perdu 300 depuis le début du stream. C'est pas plaisir. Bon, level up, c'est sûr. C'est quoi le mieux, c'est ça? Ou ça, si jamais je chope un dragon, en vrai, c'est cool. Ah, j'hésite entre les deux. Je crois que je suis à un stade où ça, ça va pas souvent. Ouais, si, vas-y. Si je chope une ou deux frénésies, c'est quand même trop bien. C'est trop bien là, ce genre de musique pour pédaler. De toute façon là, le plan c'est quoi? C'est full up jusqu'à freeze si on trouve un autre Naga 1-3. Et ensuite on triple et on va chercher un taverne 7. Un taverne 6. Oh là, j'ai spoilé l'avenir de Battleground. Préparez les trades Reddit. Oh my god, il va y avoir des tavernes 7. Tars a spoilé. Merci Icar blablabla pour ton petit moins 1. On passe à 3. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre ce combat. Match nul. On reste à 3. Je pense que les gemmes de sang, faut les garder, ça peut faire +4/+4 plus tard. Après, il y a l'option où je la mets là-dessus pour avoir plus de chances de déclencher la frénésie. Franchement, une petite dessus, ça va, la prochaine, je la garde. Et tout, j'ai pas encore de triple. Plus un tars pour encore plus fit. Merci, Job 33. Allez, on remonte à 4. Je me donne pour la bonne cause. Pour l'argent, quoi. Faut le dire, faut le dire. Pour l'argent. Vas-y, Tars, pédale plus fort. Tu devrais jouer un peu tempo. C'est pas la méta. La méta, c'est top 8 et tu pédales, ou alors tu fais top 1. Ok, 50-50.
que le problème, c'est que si tu joues tempo, bah les gens ils ont Atissa et pas toi. Et tu meurs. Ah non, le 50-50 qui est perdu. Enfin, même pas le 30-70 en soi. Qui est perdu. Bon, il y a quand même 3 bonnes cartes là. Vas-y, on va jouer un tour tempo. Après, Peggy sert à rien en soi. Je suis un cochon! Je pense que je prends ça. Merci Jordan 9230i, ton abonnement. Faut que tu me dises si tu veux que je monte de 1 ou que je diminue de 1. Ah, j'ai fait un effort, j'ai fait un tour de tempo comme vous me l'avez conseillé. Pas de level up greedy. Là on devrait gagner ce combat. Galactical, merci pour ton abonnement au moins 1. Ça soulage un peu. Et Jordan avec son prime. Il précise bien moins 1 du coup. Attendez, mais tu t'es abonné deux fois, j'ai pas compris. Oh, prototype aussi qui met un moins 1. Oh là là, je me balade, ça y est. Oh, il a offert un abonnement et il a pris son prime. Ah ouais, le boss. Donc là, t'es à 1, j'avoue, c'est 2 fois moins 1 qu'il a mis. Oh là là, je suis à 0. Ah, j'arrête de pédaler. Non, je déconne. Faut pas perdre la main. Enfin, pas perdre les jambes plutôt. Timurozon. Ah, je pense pas que je prise Murozon. Oh, Leroy, c'est trop fort avec Qualish. Caramba, soy Ganondorf. La terreur des héros. Merci Puget, bon courage, tu peux descendre d'un cran. Moi je suis déjà au minimum, merci beaucoup. Est-ce que je freeze Leroy? Le problème c'est que Leroy c'est bien, mais moi je veux tripler ça en fait. Leroy c'est bien en late game avec ce perso. Tu peux monter alors, ça marche. Allez, on monte. Trop fort avec ton HP, je sais. Mais j'en retrouverai un plus tard, vous inquiétez pas. Mon plan, c'est d'en retrouver un tout à l'heure. Là, je me dis, si je peux faire top 1 avec Atissa, faut que je tente ma chance. Donc, il me faut un triple. Aïe. Aïe. Avec 4 cartes, tu détruis le game. Non mais vous me parlez de combinaisons de 12 cartes qui me font gagner, je veux bien. Mais moi je veux juste une carte, un triple, hein, c'est tout ce que je veux. Et après on voit. Vas-y, donne le triple. Oh
En vrai, j'aurais peut-être dû acheter les 1-2 juste pour booster ça. Ah, le jeu se fout de ma gueule. Ah, le jeu il abuse, je suis désolé. Tu cherches qu'un triple en même temps? Bah non, je pense un deuxième comme ça j'aurais pris. Deuxième comme ça j'aurais pris. Et limite peut-être les 1-2 juste pour booster l'attaque, ça aurait été ok. Là si j'avais retrouvé un Leroy, je l'aurais pris aussi. C'est juste que fallait pas que j'enlève un rôle naturel. Parce que la priorité c'était de tenter de gagner la partie alors... Maintenant, c'est plus le cas. La priorité, ça va être de prendre des Leroy pour tempo, mais... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 le moins 15. Oh là là, au moins je suis top 6. J'ai besoin de booster son attaque à lui si je veux qu'il soit utile, même si sur le long terme c'est pas bon. Compo Leroy Khadgar. En fait, vous voulez trop faire une compo late game avec des toxis, c'est l'équivalent des toxis Leroy, alors que je suis pas du tout en late game. C'est à dire que. Enfin, là maintenant j'y suis, donc c'est bien d'avoir Leroy. Mais quand tes adversaires, ils ont des 5-4, j'en sais rien, t'as pas envie de mettre un Leroy en face, t'as envie de trouver des cartes qui vont trade avec les 5-4 en face, tout en boostant toutes tes autres créas et en te permettant de construire quelque chose sur le long terme. C'est très bien Leroy, hein. Mais plus tard. Ah, c'est perdu. Parce que là, le problème, c'est que je peux avoir 12 Leroy, hein. Enfin non, 12 Leroy ça gagne, mais le truc c'est que avoir tué deux cartes en face, si toutes les cartes en face c'est des 20-20 et moi c'est des 5-5, ça sert à rien. Donc dans un premier temps, mon plan de jeu, ça doit être moi-même de tenter d'avoir des stats équivalentes à celles d'en face, puis dans un deuxième temps d'avoir le Leroy pour gérer et prendre un petit avantage. C'est pour ça qu'un Leroy il doit s'acheter. Parce que si vous l'avez, c'est bien, voilà, ça s'achète, c'est bon en tempo. Mais il doit pas se freeze tant que vous avez une possibilité de jouer le top 1. D'avoir les bonnes cartes directement. Du coup, plus 1 pour le combat perdu et plus 1 pour le top 6. On est à 6. Ouh, tu dois avoir 7 Leroy sur le board. Je pense 12, c'est bien. Hein. Faudrait 12 Leroy à mon avis. Allez. Donnez-moi des triples.
Genre, c'est toujours un peu triste d'avoir une paire dès le début. Faire un roll à chaque tour pendant genre 4 tours, puis 10 rolls. C'est quoi? C'est 20 rolls en tout et pas trouver le trip, c'était dur. Après, faut aussi se dire que ce que j'ai essayé de tripler, c'était un des serviteurs qui est les plus prisés, donc forcément, il n'y en a peut-être plus beaucoup dans le shop. Comme c'est un serviteur qui est potentiellement bon une fois que t'es taverne 6, si t'arrives à te choper à Tissa, les gens ils ont tendance à essayer de le garder. Faut que je boive. Oh. Silas ou la liche? Oui, charge. Ouais, déjà, ouais. Toutes les cartes qui relancent des sorts. Enfin, toutes les cartes qui nécessitent que tu lances des sorts fonctionnent avec la sirène. Vas-y, mais c'est quoi mes lobbies? Y'a Raffoul, y'a Silvername! Je fais que perdre, donnez-moi des noobs! N'en peux plus, là! Ouah. C'est bon, on va les battre. On n'a pas peur. C'est des joueurs comme les autres. Il y a Uran Mecha qui permet le tempo si jamais on est taverne 4. Taverne 3, taverne 4, il y a peut-être une option là-dessus. Après, selon ce qu'on trouve, toujours la possibilité d'aller chercher Atissa et de viser les top 1. Mais je pense, Silas, c'est un bon héros si on veut assurer top 4, par exemple. Et comme j'ai fait que des top 8 à top 6 ce matin, je serais pas contre un petit top 4. Est-ce que des fois, tu calcules les probas sur BG avant de prendre une décision? Alors attends, il y a eu 10 abonnements offerts de Bouniakovski. 10 en plus! Oh, bâtard! It's a good guy. Oh, le chien! Bon, du coup, je suis censé être à 16. Là, je perds, je suis à 15. Oh, j'ai trop tiré! J'ai cliqué, mais j'ai cliqué sur lui! Ah! Oh putain, c'est trop bien ce qui est dans le shop! Oh. C'est catastrophe. Oh. Ah, c'est tellement dur. Je lui booste d'abord l'attaque parce que j'ai plus la petite créa qui booste l'attaque. Maintenant qu'il a eu son premier boost d'attaque, je lui boosterai que ses PV. Moi, ça me dépasse, ça. C'est une ignominie. Pendant que... T'as un vitesse 15. Là, je pédale beaucoup plus lentement. Et le vélo me dit que je suis à 32 km/h. You touch my tra-la-la. Toi, t'es le relanceur. Non, non, mais merci, merci, merci. Je suis un cochon. Ah, moins 10. Oh, c'était un héros déguisé. Là, j'en double. Il s'est fait passer pour un vilain, mais en fait, c'est un gentil. Oh là là! Il a offert 20 abonnements, merci beaucoup! Tous ceux qui ont douté de lui, vous n'auriez pas dû! C'est une ignominie!
Ah, je vous avoue que j'ai eu peur. Hein. Oh. Oh putain, on fait quoi ? Ça, c'est pas mal. It's a good guy. It means I'm a good guy. Really? Sans abonnement pour la blague. Ah, c'est un héros, c'est un héros. Caramba! Soy Ganondorf. La terreur des Hyrule. C'est un plaisir pour moi. Ah bah pour moi aussi, hein, c'est un gros plaisir, hein. Incapable. Quel plaisir. Merci beaucoup encore. Allez. Ok, on est avantagé ici. Je fais une bonne sortie, bien tempo. Oh, ça a failli très mal se passer. Et ça gagne. Ah non, moins 1. On est à 3. Allez. Allez, allez, allez. Soy Ganondorf. La terreur des Hyrule. Ok. Petit level up. Et on achète ça parce que... Il y a un ticket dessus. J'aime bien le taunt. Puis après, j'alternerai. Mais je pense que 6 d'attaque, c'est assez, là. Tu fais ça pendant 6 heures, t'es riche. Ah mais est-ce que vaut mieux être riche et mort ou pauvre et vivant? Parce que en vrai, de vrai, là, ça transpire sévère. Hein. Oh là là. C'est difficile. Mais ça tient. Ça dépend du temps pendant lequel tu es riche, c'est vrai. Je sais pas comment tu fais pour un casque sur la tête en pédalant. J'ai besoin de musique, hein. Sinon, j'arriverai pas. J'ai besoin de deux choses pour faire ce stream. De musique et d'argent des viewers. La motivation parfaite. Oh non, c'est une défaite. Allez, on repasse à 4. Ça fout le son, mais met l'héroïne plus en avant. Pourquoi je la mets pas en 1, j'avoue. On va tout de suite faire ça. Hein. On n'a rien à faire aussi loin. Oh, y a pas de tickets là, ils sont où les tickets? Faites le bon choix. Ah, j'ai peut-être envie de freeze ici, je sais pas ce que vous en pensez. Genre. Les 3 tavernes 4 là, ils sont quand même très solides. Hein. Même s'il n'y a qu'un ticket dessus. Il y a une carte de vengeance qui a un ticket qui me donne des tunasses. Une carte. Ah ouais, non, ça se freeze, je pense. En fait, la combinaison Mécatan qui est ma trône, elle va trop me faire gagner des combats. Je suis sûr que tu prends du plaisir. En vrai, tu fais ça 3 fois par semaine en un mois, t'es svelte. 3 fois par semaine. Je sais pas. En vrai, c'est dur. Parce que là, je vais en chier. Non, demain, j'aurai des courbatures. Et vous allez me dire, peut-être pas après-demain. Oh. Après, est-ce que je prends du plaisir là, en pédalant? Pas tant que ça. Mais c'est plutôt le plaisir après d'avoir réussi, quoi. Surtout que là, je mets pas mal d'intensité. Par rapport à
la dernière fois que j'avais fait ça, où je pédalais quand même plus lentement. Là, je sais pas si c'est la musique ou juste la motivation pure et dure, mais je pédale plus. Ventre 2 pour Matron, c'était pas bien? Je sais pas, peut-être. Waouh. La maman a pas trop de sens pour l'instant. Le crush, c'est 2 créa par rapport à l'hospice. Ça, c'est un taunt, c'est quand même mieux. Taunt, la 4-12, ça peut me garantir plus de tunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Enfin, bouclier divin, la 4-12. Ça me paraît être une très bonne option, ça. Pour vraiment qu'elle soit solide et qu'elle ramène plein de démons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a moyen qu'elle me donne 2 fois 2 démons. Monsieur, vous êtes à 5 normalement, pas de problème, je monte. Je suis bien content de mon tour quand même. C'est dommage de ne pas avoir triplé pour un 6, mais on s'en remettra. Je pense qu'il n'y a pas assez de trucs qui vont mourir. Hein. Je le découpe là. Bon, 2 gold, c'est déjà ça. C'est vendredi, à quelle heure le deck docteur vendredi? C'est sur ce créneau là, ça sera 10h midi. Ok, la même, la même. On passe à 4. Putain, ça y est, je perds mes moyens. J'oublie. Allez, 30 km parcourus déjà. Ah oui, j'ai un roll, bien vu. Oh, un ticket sur le crush. Et une sirène pour plus tard. Ça se freeze, ça. Pas trop mal. Le crush, il pourra prendre la place de Argus. La sirène, elle restera... Bah non, la sirène, je vais la jouer aussi, j'ai ça. Tu voulais pas donner bouclier divin à la 6-14? Ah, j'avoue que ça aurait été permanent, j'ai pas pensé. J'étais en mode protéger ce truc-là. J'avoue qu'un bouclier divin permanent sur la 6-14, ça se tentait. Surtout que là, je lui ai rien donné, je crois. Ouais, j'aurais dû, bien vu. On fera ça tout à l'heure. Après, je vais peut-être générer 4 cartes, là, il y a moyen. Alors, on a généré 4. Et on a gagné.
En vrai, j'ai merdé un peu là. J'ai pas eu le temps de bien me placer. J'ai merdé ce tour. J'ai merdé. J'aurais dû d'abord revendre direct le truc, donner ton tabran. J'ai bien merdé ce tour. Mon crush est mal placé. J'espère que je vais générer les bonnes cartes. Voir level up. Monter de niveau là, mon tour il pardonne pas là, il était pas bon du tout. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Non, tant pis, avoir reçu le 30-30. Ouais, ouais, non, mon tour était à chier. Ok, on va partir full démon, j'ai l'impression. Oh non, mange pas ça. Nickel. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais ouais, l'Urzul, j'aurais dû le faire plus tôt. 72%, j'imagine que c'est pas mal. Et comme je pars full démon, j'aurais peut-être pas dû up. Ok, on régénère 2. Oh non, je me fais scam là. Le giga scam. Oh. Putain, évidemment, évidemment. Putain, merde, mes gold. Oh, j'ai fait nimp. Oh, la connerie. On s'en va revendre. Je crois que j'ai pas du tout profité des 6 gold que lui me donnait. Est-ce que je fais genre... un petit bois quand même.
Vas-y, on va prendre ça juste pour... C'est pas trop mal, ça. Ok, en vrai, j'aime bien ce qu'on fait, là. Not bad. Garde ça, tu veux éviter de la remettre dans le pool? Ouais, on va faire ça. Ok, défaite ici. Mais que 0,3% de chance de me faire l'étal. Ah, pas de réincarnation pour le bois. Oh, le Leroy très bien placé. Qui aurait pu faire la diff en réalité, ce Leroy. Bah, qui a fait la diff en vrai. On gratte le match nul grâce à ça. On peut pas gagner à tous les coups. Une véritable légende. Ah. Putain, j'ai encore pas profité des gold. Ah, ça commence à être la fatigue là. Oh. Bien compliqué. J'aime bien garder le bois pour trigger des vengeances. Je pense que c'est une bonne chose, mais... Ok, faut... c'est bien que la dernière carte que je pose soit pas un démon, parce que comme j'ai deux comme ça, j'absorbe 4 cartes. Enfin, j'absorbe 4 avec chaque. C'est pas mal. J'absorbe 2 avec chaque. Oh. Je commence vraiment à chier là. Oh, on perd contre le mort, ça c'est pas bon signe. Oh non, il y a un Leroy en face! Non! Ok, il a tapé une daube. Allez, donne un Leroy maintenant! Oh, un triple! On a un triple! Oh, dommage, on a failli encore trigger une vengeance. Ok, on n'est pas mort. On a un triple. Alors, peut-être... Tu n'as pas fait ton moins 1 de la victoire? Bah, il a annulé avec le moins 1 de la défaite. Et encore, on pourrait mettre une règle où c'est x2 contre le mort, mais bon. Oh, le top 3 ! Incroyable ! Oh, putain. Oh. Oh, il y a des bonnes stats, là. Ah, dommage, faut que je roll avant de revendre. Ou alors, fallait que j'achète un truc. Oh. Si je peux tripler le boa, c'est cool. Oh.
Je pense que là, c'est fini, hein. En vrai, on a un gros démon, hein. Ah, mais je crois qu'il a une grosse brute en face. Bruted nous a brouté. Ah là, non, il fallait que des Leroy, là. Ils sont où, tous les Leroy? Oh, zéro Leroy. Terrible. Ça peut pas être 0%, les stats sont fausses, tu peux avoir 8 Leroy. Oui, mais c'est possible que sur 1000 simulations faites par le tracker, il n'y en ait aucune qui fonctionne. Tu, en fait, arrondi à 1 millième, enfin à 0,1%, c'est tout à fait possible que ce soit 0. Hein. Du coup, 3ème place, plus 1, et ça compense le moins 1 de la défaite. Putain, c'était ça l'erreur! Aïe aïe aïe! Attendez, je joue avec 10, hein. Ok. Ouais, je voyais avec 10 pour ce qu'on fait après. Et du coup, 34 km parcourus, 99 minutes de pédalage. C'est pas mal. Bah, ok, 10 démons est prêt. Donc, je vous laisse avec lui. Je vais aller prendre une douche, puis aller me rendre au barbecue préparé par Odemian. Je vous souhaite une bonne journée. Et c'était un très bon stream, très sympa. 2 heures à fond, c'était pas mal. Hein. C'était vraiment pas mal. Allez, ciao tout le monde.